Alright tout le monde, je suis Jossener et on se retrouve sur la suite de Horizon Forbidden West. Donc on s'avait laissé ici. En fait, on s'avait laissé en bas, mais j'avais envie de reprendre en fait là ma chute parce que la dernière fois j'avais pas appuyé sur A puis j'ai juste tombé en bas comme une merde. Donc j'avais envie de me reprendre. Mais regardez-moi ce paysage. Waouh, magnifique. L'Ouest prohibé, chum. Nous y sommes. Ça, c'est vraiment cool. Le fait de planer comme ça, c'est nice. Il se passe quelque chose dans ce campement. Ouais, il se passe quelque chose, mais moi, j'ai pas le temps. Sorry, boys. Oh, attends, est-ce que je peux caler ma monture? Ah, ça, c'est nice. Cool. Il me semble dans Zero Dawn. On pouvait pas l'appeler en fait, fallait toujours en avoir une nouvelle. Puis c'était un perk. C'était un point de compétence pour pouvoir appeler notre monture n'importe où dans l'univers. Il y a beaucoup d'épaves antiques par ici. Ça a oh! Une énorme bataille. Les anciens. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour ralentir la colonie de Pharaon. Pour faire gagner du temps à Hope Zero. Hop, désolé. Aux portes de la mort. Ah, c'est que c'est beau comme jeu, man. Tabarnak, là. L'éclairage, la lumière et tout, là. Ah, oh, je le dis pas assez souvent, mais maudit que c'est beau. Oh, attends une petite minute. Hey, wow, wow. Quoi ça? Oh! Intéressant. Je vais le prendre. Merci. Une belle tempête de sable. Oh, c'est quoi ça? Oh, des kangourous, chum! Fuck you! Oh, oh. Ah! Hey, ils ont l'air à me charge en tabarnak, chum. Et je pense qu'on give up. Ah, shit, je l'ai tellement le bumpé, là. Je l'ai le bumpé pour récupérer sa peau. Wow. Je me repose ici ou je continue? Ah, y en a des créatures ici. Mais pas des créatures, mais des robots. Faut que je le bombe. Il aurait installé Hadès sur un autre titan. Il me faut des pots. Pour faire des. Pour améliorer mes sacoches. J'aime pas ça tuer des vrais animaux. Si je ne m'occupe pas, ils vont semer le chaos. Je dois rester discrète. Trouver qui commande et l'éliminer. Qui ça? Ça poussera peut-être les autres à fuir. Ah non, fuck off là, moi je continue ma quest, chum. Tellement cool comme jeu, j'aime ça jouer à des jeux comme ça, man. C'est genre, tu sais, des jeux qui sont bien optimisés, qui sont beaux, les gameplay est le fun, la narration est cool. Je peux avoir les algues, nice. Tiens que c'est beau, man. Si, ouais. J'ai hâte que The Last of Us Part 2 soit sur PC. Ça m'étonnerait que j'aime l'histoire parce que j'avais vu un peu c'était quoi l'histoire. Ah bon. Mais juste côté graphisme puis tu sais gameplay, j'ai quand même hâte d'en faire un nouveau. Parce que l'autre là, je l'ai fait trois fois. Je l'ai fait deux fois en vidéo, un en let's play, un en full game, l'autre juste pour le fun. Et là, il faudrait qu'on sorte un nouveau là. The Last of Us, je trouve là le grande force, c'était le reflet aussi dans l'eau et tout. Ce jeu-là, il est fucking beau, là, mais The Last of Us, il y avait plus de reflets dans l'eau, plus détaillé. Un atelier installé sous un Horus mort. C'est pile le genre d'endroit où je m'attends à trouver Silence. Oups. On va loot un peu.
On a un établi. Et voilà. Cet appareil clignote. Je suppose que Silence veut que je le regarde. Aloy. Vois ce message comme une balise qui te guidera hors du brouillard de l'ignorance. À l'aide d'explosifs, j'ai détaché l'orbe de traitement du Titan au-dessus. C'est une cage parfaite pour notre ami mutuel Hadès, afin de le rendre coopératif. Dis-lui ce dont on a parlé, au sujet du mystérieux signal qui t'a donné vie. Persuadé qu'il a tout compris. Oh Dieu. Mais je suppose qu'il n'y a qu'une manière de savoir où il a mis l'or. Je devrais continuer de fouiller un peu avant. Ouais, on va fouiller un petit peu. Je pense que ça à regarder. En fait, je suis pas sûr si c'est important. C'est quoi ça? Est-ce que je peux le récupérer? Cristal rouge. Oh. Sorte de journal, une grande partie est censurée. Mais on dirait que Silence s'était forcé de faire parler Hadès. Pauvre Hadès, tu es tout à l'étroit, pas de place pour penser. Tu ne peux même pas parler. Alors que l'orbe de traitement d'un Titan, en revanche, tu connais déjà. Une fois que je t'y aurai chargé, tu te sentiras bien plus à l'aise. Du moins jusqu'à ce que l'interrogatoire commence. Ah, il y a quelque chose là. Suivre les traces de l'orbe. Ah, d'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose avec l'établi, moi, ici? Améliorer les tenues. Ah, déjà au maximum. Alright. Bon, mais... let's go, chum. On voit même les traces dans le sable. C'est tellement cool. Tellement bien fait, check ça. Wow. Ah, c'est beau. Ah, regarde, avec l'ombrage et tout, là. Wow. Je ferais bien de voir où cette piste me mène. Ah, je suis savant, man. Je suis savant, les graphismes. Regardez-moi les traces dans le sable. Avec l'ombrage et tout, là, ça paraît vraiment beaucoup. L'éclairage, le sable. Ah, c'est tellement beau. Magnifique. Bon, on va suivre les traces. Ouais, je suis pas en train de sprinter juste parce que, ben, je sais pas, je profite du paysage. C'est le genre de jeu que j'adore profiter du paysage. Ah, c'est voilà un des plus beaux jeux auxquels j'ai joué. Silence comme une idiote, alors qu'il m'a utilisé en trafiquant sa lance pour voler Hadès. Une IA démente qui veut détruire la vie. Ça aurait été bien trop simple de me laisser la détruire. Et maintenant, je vais encore devoir encaisser ses commentaires moralisateurs. Sont-ils gentils, eux? Je suis pas certain. Bon, au moins ça réveille. Ouh. Ils font rien? Ah, mais voilà. Ça a été trop long. On va aller les loot. Ah, un autre cristal vert. Ce que j'aime, c'est qu'on peut tout loot.
Puis quand on n'a pas de place, ça va dans la réserve. C'est quand même vraiment nice. La dernière fois, quand on était plein, on ne pouvait pas looter rien. La flambée, mais dure et brillante. Je me demande si ça intéresserait des marchands. Parce que c'est facile de remplir les poches dans ce jeu-là. Silence a l'air certain d'avoir trouvé une copie de secours de Gaïa, mais... comment ? Chaque endroit que j'ai fouillé, chaque piste, c'était toujours un échec. Toutes les copies ont été effacées. Alors qu'est-ce qu'Hadès lui a dit ? C'est quoi ça ? On peut interagir, non ? Là, on a un marchand, là. Un marchand ? Je m'attendais pas à trouver des gens ici. On sera peut-être utile. Hé là ! Qu'est-ce qu'une Nora fait aussi loin dans l'Ouest ? Ah, oublie. Je peux t'équiper pour aller dans les terres sauvages. Dans les terres sauvages ? Non, pas assez cool. Que ça se vend, ça, les cristaux verts ? Ça se vend combien, ça ? Assez rare. Je sais pas trop à quoi ça... Ah! Ça vaut combien? Comment que je fais pour savoir combien que ça se vend? On peut pas. Ah, je suis pas certain. Écoute, je pense que je vais faire attention, là. Ah, regarde-moi le paysage au loin quand c'est beau. Regarde-moi les rochers. Magnifique, avec l'éclairage et tout, là, j'adore tellement le coucher du soleil. J'aime la couleur. Ah, je crois qu'on nous y sommes. La piste continue dans la colline. Des ruines, d'accord. Voyons où ça nous mène. Silence a dû se servir de cette machine pour tracter son joujou. Ça doit être l'orbe dans lequel Silence a fourré Hadès. Et cette porte. On dirait un bâtiment de Pharo. Ou d'Aube Zéro. On va fouiller un peu. Allez, Hadès, t'es toujours là? Définitivement cette fois. Même comme ça, tu mets en danger Gaïa. Quand je l'aurais ressuscité. Donc, tu n'as pas encore récupéré la copie de Gaïa. Alors, Gaïa est morte. La Terre et toi êtes condamnés malgré mes défaillances. J'ai gagné. Ça suffit. Il est temps d'en finir. La Aloy croit-elle encore pouvoir restaurer Gaïa, sauver la vie sur Terre? Oui, Aloy y croit. Alors tu te trompes. Extinction inévitable. Qu'est-ce que t'en sais, Hadès? T'as essayé deux fois de détruire la vie terrestre et t'as échoué. La seule extinction que tu as provoquée, c'est la tienne. Et il n'y a pas de lance trafiquée pour te sauver cette fois. C'est inexact. Trois fois, Hadès a détruit la vie. Quoi ? Tu te souviens de ça ? Oui, de mes
61-2168. Et alors? C'était il y a des siècles. C'est pour ça que tu as été conçu. La biosphère actuelle est la version 5. Il n'y aura aucune version 6. Ce ne sera pas nécessaire. Je sauverai celle-ci. Système de sécurité en place. Pour l'activer, précisez nom et grade. Elisabeth Sobek, grade Alpha. Système de sécurité activé. Protocole d'extinction en marche. Aloy, je vois que tu t'es occupé d'Hadès. Oui. Tu crois qu'il va rester mort cette fois? Mais oui. Tu peux me faire... Confiance? Oui. Confiance. Tu vois, j'ai fait ce dont tu as été incapable. J'ai extrait le savoir inestimable d'Hadès. Fais-moi confiance, j'étais prêt à te laisser le détruire réellement cette fois. On en revient aux hologrammes, fini le face-à-face? Tu as peur que je te poignarde, c'est ça? Il y a une raison qui... Tu as le même logiciel espion, je vois. Donc, à chaque fois que j'ai appelé, tu aurais pu répondre. Mais tu préférais continuer de m'espionner pendant tout ce temps. Mon monde ne tourne plus autour de toi depuis des mois, Aloy. J'ai beaucoup de travail. Des heures de recherche. Aussi complexe et chronophage que primordial pour le destin de la planète. Ah oui, bien sûr. Tu essaies aussi de sauver le monde. C'est exact. La différence, c'est que contrairement à toi, moi, j'obtiens des résultats. Est-ce que tu as trouvé une copie de Gaïa? Oh oui. Je crois que oui. Où ça? Mais ici. Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir, sinon? Derrière cette trappe à verrouillage génétique se trouvent les ruines où le protocole d'extinction d'Hadès a été finalisé. Le processus de test a fait des centaines d'essais, dont chacun utilisait une copie de Gaïa. C'est Hadès qui te l'a dit? Bien sûr, j'ai dû insister. Mais oui. Donc, est-ce que tu es prête à obtenir ce que tu cherches depuis maintenant 6 mois? Ou est-ce que tu vas juste rester planté là la bouche ouverte? D'accord. Je vais fouiller le site pour trouver une copie. Mais soyons clairs, Silence, si c'est encore une de tes manigances... C'est un verrouillage génétique, Aloy. Tu es littéralement la seule sur cette planète à pouvoir l'ouvrir. Comment aurais-je pu y mettre un piège? Si tu me trompes encore, Silence, notre prochaine conversation sera en face à face. Mais tu n'auras pas grand-chose à dire, puisque ma lance sera plantée dans ta gorge. Aloy, grâce à moi... Tout ce que tu désires, tout ce que tu cherches depuis 6 mois sans réussir à mettre la main dessus est désormais à ta portée. Bon, je sais que tu ne connais pas grand-chose à la politesse en tant que paria d'Enora, mais dans ce genre de situation, il te faut dire merci et je te répondrai, je t'en prie. Ouais, il recommence à nous manipuler encore. Identiscan, ne bougez pas. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobek. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. Entrez, je vous prie. Mais c'est une blague, là! On dirait qu'on a de la chance. De la chance? La porte est complètement foutue! En effet. Mais malgré le problème, tu pourras quand même entrer. Si tu patientes encore un peu. Tu vois ces cristaux, là? Les Oceram les appellent les flammes gemmes. Ils sont inflammables. Ça ne suffira jamais à faire sauter une porte de ce type. Mais ça suffira peut-être à l'ouvrir un peu plus. Exactement. Ça ne marche qu'avec un inhibiteur.
Je t'envoie les schémas tout de suite. Pour le fabriquer, tu auras besoin de pièces de machine et d'huile d'algues à feu. Elles ne poussent que sous l'eau, mais tu devrais en trouver dans le lac à côté. Ah, tant mieux. Elles sont bien plus complexes. Il te faudra une bobine d'étincelle issue de la batterie d'un bondisseur. Il faut retirer la batterie avant de tuer la machine, sinon elle sera détruite. D'accord. Bon, j'ai déjà de l'algue à feu des fonds. Il me faut juste les pièces. Ah, cool! Ça veut dire que j'ai déjà récupéré quelque chose dans l'eau. Qu'est-ce que j'ai récupéré tantôt? Ah, le ciel, il est beau, hein? Même la nuit, c'est super beau. Il n'y a rien qui... Ils doivent avoir les pièces qu'il me faut pour l'igniteur. Ah! Ces pattes sont conçues pour le saut. Il n'y a rien là qui clenche là, le ciel de Skyrim, par exemple. Skyrim, il faudra que je fasse un let's play là-dessus de maintenant. Même si c'est un vieux jeu, là. C'est quand même un grand classique. Hey, arrête de bouger! Si, ouais, ça m'a pris combien de flèches le péter? C'était long, chum. Je pensais être capable de le péter en deux shots. Ça m'a le scanné. Les points faibles sont là. Bon, l'autre, ah, il est là. Peux-tu nous voir? On est correct, je pense. Oups. Bon, j'ai les pièces pour l'igniteur. Il me reste à fabriquer ce truc. Il y a un établi près de l'entrée du bâtiment. Tu t'en es servi pour bricoler Hadès? Bricoler? J'ai extrait des données inestimables. On va aller voir ça. Et hop. Ici, équipement spécial. Voilà. Je devrais pouvoir m'en servir pour faire sauter cette flamme gemme. En effet, c'est très pratique. C'est comme ça que j'ai extrait l'orbe de traitement de l'Horus. Génial. Ok. Et on fait comment? ART. Je reculerai à ta place. Entrez, je vous prie. Bon. Je crois que ça ira. Alors, vas-y. Je t'en prie. Je pourrais sûrement utiliser cet igniteur si je trouve d'autres flammes gemmes. Concentre-toi sur ta mission, Aloy. Ah, je me trompe tout le temps, man. Je fais tout le temps B pour interagir. Je peux rentrer par là, non? Tout le bâtiment est inondé. Et il y a une autre porte à verrouillage génétique de l'autre côté. J'imagine que c'est là que sont stockées les copies de Gaïa. Je dois trouver un moyen d'aller là-bas. C'est tellement plus beau que dans le premier, c'est fou. Ça me rappelle quelque chose. M'aventurer dans d'anciennes ruines pendant que tu m'espionnes via mon focus. Oublie la nostalgie et concentre-toi sur la recherche d'une copie. Ça doit être par là. Ici ou l'autre côté? De l'autre côté. Ah! Finalement, non? Non, c'est par là. B. Et voilà. Yes.
Et voilà. La porte est verrouillée. Mais il y a un appareil à côté. Une batterie. Ça a marché. Là, c'est cool, les ruines. Avant, les ruines, c'était tout le temps genre, je sais pas, tu sais, dans l'autre, c'était tout le temps des ruines mauves, puis il y avait pas grand chose de nouveau en fait, tout se ressemblait. Mais là, ici, on voit un petit peu plus de végétation et tout, je trouve ça cool. Ah non, c'est coincé. Eh merde. Je peux faire. Ah! Oh, mais voilà! Ouch! À quoi servait cette salle? On dirait qu'une autre console aurait besoin de courant. Oh, je dois trouver des batteries. Cette console ne marche pas. Fait qu'elle a cette caisse-là, est-ce qu'on peut faire de quoi avec? Après nous servir à grimper à quelque part. Et voilà, regarde, on a trouvé. Ça. Ah, un loot. Ah, ok, il faut une alimentation. Et voilà. Ici, on a quoi? Rien. Ok, nous on arrive d'ici. On a fait un trou dans le mur. Fait que là, ça veut dire qu'on va pouvoir prendre la batterie qu'on a trouvée ici. Et la porte est là-bas. Oh. Oh shit, ok. On a quoi ici? Ok, ça c'est pour la porte. Attends, moi je veux le coffre avant. Et voilà. Yeah. Qu'est-ce qu'on a ici? Et voilà. Elizabeth et Travis Tate. Vont-tu parler? Ouh, je te le dis, Liz. Tu vas m'adorer après ce que je viens de faire. Je viens d'imaginer ces ordures de zénith lointain en train d'ouvrir la fosse Gaïa qu'on leur a concoctée. Et je me suis dit, ce qui manque, c'est une signature. Ce n'est pas une blague, Travis. J'ai fait qu'animer deux petits avatars. Un de toi et un de moi. Pour délivrer notre message funeste de façon plus personnelle. Tu veux bien l'envoyer? Dès que la compilation sera terminée. Ensuite, on pourra fêter ça ensemble. J'ai apporté des trucs de fête, des mini-croissants, du mousseux, des banderoles. Je retourne à Bryce dès que tout ça est terminé. Je comprends pas, Liz.
comment quelqu'un comme toi, un modèle, presque une sainte, hein, peut autant aimer le monde, mais pas ses habitants. Franchement, t'as déjà eu un ami dans toute ta vie ? Compilation terminée. Fichier promesse stérile prêt à être transmis. Tu t'en occupes, d'accord ? Ah, check bien le plot twist, mon chum. Si c'est pas elle qui a causé la fin du monde, ça serait fucké, hein? C'est ni de lointain. Contente-toi d'être le meilleur dans ton boulot, Travis. Elle aimait pas le monde. Je t'ai toujours admiré de loin, Liz. Je le jure sur la tombe de ma mère. Et elle était très pieuse. Travis avait tort. Elisabeth essayait de s'assurer de l'avenir de la vie. Elle se souciait de tous. Oh. Je n'en suis pas si sûr. Les gens exceptionnels mènent une vie solitaire, Aloy. Tu le sais aussi bien que moi. Donc elle détestait les gens. C'est peut-être elle qui a causé la fin du monde, man. Peut-être que son projet d'Aube Zéro, c'était pas pour sauver le monde, justement. On sait pas, man, on sait pas. On va peut-être apprendre de quoi de nouveau ici. On fait quoi, là? Oh! Calme-toi, chum. Ah, d'accord. Je pense pas que mon attracteur puisse s'accrocher d'ici, c'est pas loin. Je vais devoir sauter. Tant qu'à s'en allait dire, là... Mon câble va pas être capable de s'accrocher trop loin. Pendant que j'étais déjà dans les airs, j'ai fait « Oh shit ». Mais finalement, quand elle a dit « Je vais devoir sauter », ça fait « Ah ok, c'est ça que je suis en train de faire ». C'est trop loin pour sauter. Mais si je plane... Ah ben oui, on peut planer. Une chance qu'elle me le dit, man, parce que j'ai oublié qu'on pouvait planer. Ah, il y a un coffre, là. Je suis quand même curieux. Pas pouvoir atteindre la porte d'ici. Ah, fuck! T'es pas sérieux. Oh non. Mais comment t'aurais voulu que je... Ah, merde. Ah, je dois recommencer. Bon, mais c'est pas grave. Oh non, il a refilé, je me pogne un raccourci. Oh le con. Colin, mais je pensais que j'étais capable de revenir là. Ben non. Colique de coffre. J'ai dû m'en passer. Prochain coup, là, mange la marde. Qu'est-ce que tu fais? Oh la... Oh, Colin! Arrête de me niaiser, là. Chris, je voulais sauter, mais non, l'autre, elle saute, genre... Moi, ça rafraîchit. Elle saute comme ça, genre, saute même pas à distance, la niaiseuse. Chris, arrête de niaiser, là. Bon, là, prends ton temps. Ah ouais, saute. Bon. Oh, Lynn. Ici. Hop. Bon. Il y a d'autres choses par là-bas. Je ferais mieux de jeter un œil. Là? Ok. Et voilà, bon, si on tombe, on est correct. Il y a bien du brouillard ici. Il y a quoi là-dedans?
Une autre porte verrouillée. C'est quoi cette console à côté? Des données. Oh, de Travis Tate. Cet endroit a produit non. On dirait que c'est connecté à la porte. Il faut une sorte de code pour l'ouvrir. Oh, un code, ok, je vais lire les notes d'abord. Un. 8. Sept, six. Hein? Ah, shit. Bon. 7, 4, 8, 2. Trompez le bouton. 7, 4, 8, 2. Parti. Je vais prendre ça ici. Bon, nous y voilà. Je me rapproche. Ah, c'est... il a fallu que je fasse descendre notre... Ah, c'est ça que j'ai pas fait. Attends une minute là, c'est où je vais. D'après moi, c'est ici. Là. Non, non, mais descends pas, arrête. Est-ce quelque chose de l'autre côté? Ah. Ouf, une chance. Moi, je l'ai sauté, mais elle a comme revolé à l'autre place. Il a fallu que je fasse B. Hop. Voilà. Hop. Oh, ça passe proche. Ah, mais je crois que je me rendais là. Bon, mais là, il est trop tard. J'ai goût d'aller. Est-ce que je vais là? C'est quoi qu'il y a là? Il y a un truc là. Je sais pas c'est quoi. J'ai peur de pas me rendre. C'est rendu. Oh, tabac! Oh non! Oh! Oh, t'es pas sérieuse! À l'œil! Calice! Ah, c'est que c'est chiant, là! Chris, je me mets de côté, man. Ça tentait pas de revoler ailleurs, Resti, mais non. Vol dans le trou, niaiseuse. Oh, Lynn. Je devrais pouvoir planer jusque là-bas. Ah oui, je le sais. Ah, je peux. Je vais revenir là, ok, phew. Mais calice, ça fait chier, man, là. Come on, là. Si boire. Un peu plus que je me trompais de bouton. Ah ouais, dépêche-toi.
J'étais même curieux là d'aller voir là. Bon, c'est pas vraiment essentiel. Merde. Bon. Alright. Yes, sir. Asti, que j'aime ça, ce parcours-là, dans ce jeu-là, man. On a une échelle ici. Gros, man, je te jure. La prochaine fois là, que je vois qu'il y a un coffre à quelque part, là, j'y vais même pas, man. Fuck you, man. Bon. Ouais. Ah ouais. Oh, Liz, fais-tu pas exprès, man? Oh, j'étais curé de refaire la même séquence pendant 6 fois, là. Bon, encore. Ah ouais, man. Ah, ça fait 3 fois que j'ai refait ça. Tabarnak, là, de ma nez, là. Et fuck you, man. J'y retourne même pas. Mange de la merde, calice. Ouais. Le labyrinthe inondé peut aller se rhabiller. J'ai réussi. Identity scan, ne bougez pas. Waouh. Ce truc est énorme. On dirait que l'alimentation est coupée, sauf sur cette console. C'est humide ici aussi. Profil génétique confirmé. Bonjour, docteur Sobek. Souhaitez-vous activer araignée recluse? Oui. Activation. Bon, une. Ça me dit rien qui vaille. Ça semble instable. Et très lourd. Sois prudente. Au moins, j'ai du courant. Et il y a des données ici. On dirait que cette araignée recluse est un dispositif de test pour Gaïa et Hadès. Je devrais me pencher sur ce dispositif d'accès. Oui. Vas-y. Attends, je suis en train de loot, là. Bon. Je pense que ces capsules circulaires sont des sortes de dépôts. L'un est rempli de copies d'Hadès, l'autre de celle de Gaïa. Qu'est-ce que tu attends? Celui d'Hadès est descendu, mais le serveur de Gaïa est coincé. Alors, décoince-le. J'espère que tu ne m'as pas endommagé. Maintenant qu'il est en bas, je devrais pouvoir accéder à la capsule. Ah, ok. Deux. Je commençais à m'inquiéter. Faible encombrement des données. 98% de mémoire. Ce n'est pas normal. Gaïa était une énorme super intelligence. Elle devrait au moins... sont les sous-fonctions, mais je sais qu'elles existent. Je le sais. Celles d'origine, éparpillées aux quatre vents quand Gaïa s'est autodétruite, elles peuvent être n'importe où. Tu ne les trouveras pas à temps. Et quand bien même, le signal mystérieux les a fait muter comme Hadès, tu n'as pas idée. Si. J'ai une idée. Si ça marche... Oh.
Ça valait, là. Tu as trouvé Minerve. Mais pas connecté. Dans les montagnes. À l'ouest de Mélopé. Je peux y aller, c'est pas loin. J'espérais trouver toutes les sous-fonctions, mais... C'est déjà un bon départ, non? C'est vrai. Récupère Minerve. Et on l'utilisera pour lancer la matrice heuristique de Gaïa. Une fois consciente, elle me fera trouver les autres sous-fonctions. J'irai les chercher. Et tu la reconstruiras pièce par pièce. C'est très malin. Je ne peux pas sauver le monde toute seule, alors? Oh. Oui, bon. Justement... Alerte. Intrus. Alerte. Aloy. Écoute-moi attentivement. Ces intrus veulent la même chose que toi. Faire renaître Gaïa. Ils sont là pour ça. Des amis à toi? Non. Ils ne me connaissent pas. Le signal de données que j'envoyais pour dire qu'une copie de Gaïa pouvait être récupérée ici était anonyme. Ils sont très puissants, mais ils ne te feront pas de mal. Pas quand ils verront qui tu es, ce que tu es. Un clone d'Elisabeth Sobek, une clé génétique permettant de relancer Gaïa et de reconstruire le système. Ils ont besoin de toi. Je t'avais prévenu, Silence. Pour une fois, Aloy accepte l'inévitable. Ouvre la trappe. Je vais reconstruire Gaïa, sauver la vie sur Terre, puis je te trouverai pour mettre fin à la tienne. J'essaie simplement de t'aider. Essaie de m'espionner avec ça. Voilà. Un nouveau focus sans espion. Maintenant, voyons. Allez, réfléchis. Je me fiche qu'il soit puissant. Je suis la seule à pouvoir ouvrir cette trappe. La question, c'est de trouver une autre issue. Il y a du courant dans l'eau. Pas beaucoup, mais c'est peut-être une sortie. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, Docteur Sobek. Entrez, je vous prie. Prometteur. Beta. Est-ce qu'on l'a ? Fantastique. Le signal venait d'ici ? Quelqu'un ? Qu'y a-t-il ? Merde ! Spec, Beta ! Ça alors. Quelqu'un sait ce qu'un clone d'Elisabeth Sobek fait ici? Gaïa en a peut-être créé un, en s'auto-détruisant un dernier espoir pour réparer le système. Ça ne me dit rien qui vaille. Non, je n'aime pas ça, je n'en veux pas. Mais les rangs... Non, une seule c'est bien assez. Eric? Ouais? Tu veux bien faire un petit peu de place? Bien sûr. Et si c'est elle qui a envoyé le signal? Alors c'était une idée stupide. Mais on a ce qu'on voulait. Alors faisons-en bon usage. J'ai buté un paquet de gens en réalité virtuelle. Mais ce petit frisson... Quand dans leurs yeux on voit que la vie les abandonne... Ouh! Il y a
a pas un hologramme qui sait imiter ça. Continue de bavasser. Ça me laisse le temps de viser. Tu crois vraiment qu'avec cette misérable babiole primitive, tu peux me blesser ? Je sens qu'on va s'amuser. Allons-y. Elle a deux clones ! Deux fucking clones ! Ça n'a aucun effet sur lui. Il faut que je trouve un moyen de faire. Sors de ton trou. J'arrivais à faire tomber le processeur. Il est trop près. Je vais pas y arriver. Ok. On va la tirer ailleurs d'abord. Ah, il est temps, chum. Ainsi de trop de cul. C'est censé être une arme? Ils sont full futuristiques, what the fuck? J'ai pas besoin de ça. Je peux couper les raccords sur le reste. Tu voulais un combat, là, c'est le travail. Ah shit. Oh, la petite souris trouve ça Mais tu? Les voilà. Non, il m'a pas eu. Oh. Arrête ces bêtises. Elle me court après. Détruire ce truc, ça servira à rien, Camine. Shit, c'est où? Je m'en occupe. Allez! Le tronc est maintenu par quelques raccords. On dirait quelques autres raccords. Fuck you, chum! Tu le veux autant que moi. Fuck you, chum! Là, c'est quoi que je vise, là? C'est fatigant, man, comme boss. Oh, fuck. Si cette chose tombe, tu seras la seule à mourir ici. C'est mieux que de te laisser t'amuser. De tuer celle que tu m'as demandé d'éliminer. La plateforme s'est effondrée, son corps est tombé avec. Bien sûr. Y a-t-il une seule chose que tu n'aies jamais obtenue, hein ? Spectre, fouillez. Holy shit. Vers une issue. Je peux peut-être pas. Wow, man, c'était fou. What the heck?
Ouais, je remonte à la surface bien vite, hein, chum? Merde, je peux peut-être passer par-dessous. Shit. Oui. Tabarnak, tu veux que je fasse quoi, man? Encore des spectres. Je ferais mieux de passer discrètement. Comment? Où? Shit! Tabarnak! Combien de la merde, c'ti? Comment tu veux que je... C'est par où tu veux que je passe, man? Je me fais spotter partout, man! Ah, peut-être par ici. Regarde, par là, il me voit pas. Fuck, y'en a un juste là. Bro, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que j'aille où, man? Ah. Peut-être par la porte? Ah. Je savais pas que les portes qui étaient inondées, on pouvait les accéder, en fait. Ah, j'aurais pu me propulser! Ben oui, mais là, je vais décéder. Oh, ça passait proche! Ça va faire que je me crafte des trucs, hein? Attends. Si je vois rien, man. J'ai plus vite. La porte est là. Go. Oui. Allez, allez. Ils sont forts, ces specs-là. Fait que Elisabeth Sobeck, elle avait plusieurs clones. Ça tout va bien quelque part. Une issue peut-être. Qui sont là. Il y aurait une sorte de salle d'alimentation. Le courant mène ici. C'est prometteur. Oh shit, je les entends. Je pense pas que ce soit ici. Ah, c'est là. Parfait.
Ça va aller. Je suis là. Je dois... Hé, doucement. Tout va bien. Juste là. Vu comme tu l'as serré quand je t'ai trouvé, je savais que c'était important. Où on est ? Dans un avant-poste de la tribu Utaru. Pas très loin de là où t'étais. Longtemps ? 2 jours. Aloy. J'ai pas le temps. J'ai trouvé quelque chose. Dans les montagnes à l'ouest de Mélopée. Ouais. C'est ce que t'arrêtais pas de répéter. Écoute, Aloy, quel que soit ce que t'as trouvé, t'es pas en état de... S'il le faut, je romprai pas. D'accord, très bien. Mais avant toute chose, tu vas devoir parler à quelqu'un. Une Utaru appelée Zo. Elle m'a dit qu'il se passait quelque chose dans ces montagnes. Une grotte qui recrache des machines. C'est pas une coïncidence. Pourquoi on a besoin d'elle? Allons voir cette grotte. C'est sûr. Les territoires Utaru. Son territoire. Elle peut nous aider. Tu verras. Bien. Allons voir cette fameuse Zo alors. Comme la fleur se fane et meurt, figée dans la neige, la graine saura germer. Quand viendra le printemps ? Zo ? Elle devrait être au lit. Aloy fait rarement ce qu'elle devrait. Tu es Zo, c'est bien ça. Varla dit que je devais te parler. À propos des machines. Dans les montagnes à l'ouest de Mélopée. Je suis Chant de Sépulcre. Ma place est ici. On parlera quand tu seras guéri. C'est quoi cette machine ? Quoi ? C'est pas une machine, c'est Ré. C'est une de nos divinités. Et elle se meurt. Ce n'est pas si simple. Elle souffre. Son état de santé ne te regarde pas. Zo, si quelqu'un peut l'aider, c'est bien Aloy. Je peux. Ce que je m'apprête à faire peut être effrayant. Mais ça l'aidera. Ma lance. On doit encore parler. Bien sûr. Et pas ici. Les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Il y a un problème. Les Utaru ont des problèmes, partout. La Niel est dans nos champs, nos villages sont désertés. Mais la grotte dans la montagne est pire que tout. C'est un lieu sacré. Fa, une autre divinité, y est entrée il y a des semaines et... n'est pas ressortie. La grotte crache des machines tueuses. On ne peut plus faire face. Ça n'était jamais arrivé. C'est pas ta première grotte sacrée.
Je vais devoir entrer dans cette grotte. Quoi ? Personne n'a le droit. Il va falloir faire une exception. Elle appartient au dieu de la terre. Écoute, Zo. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui pourrait résoudre des problèmes dans le monde entier. Les tempêtes, le dysfonctionnement. Peut-être même tes dieux de la terre cassés. Mais qu'est-ce qui pourrait faire tout ça ? Un esprit ? Ouais. Quelque chose comme ça. Je pourrais retourner à Mélopée, rassembler le cœur, leur dire que tu as apaisé Ré et demander leur permission pour entrer. Bien. Alors j'y vais. Il lui faut du repos. C'est à elle qu'il faut dire ça. Ça va, ça va. Rassembler le cœur prendra du temps. Repose-toi, puis rejoins-moi. Bon. Du repos. D'accord. Elle n'a pas besoin de toi pour se remettre. Tu peux m'accompagner à Mélopée. Joins ta voix à la mienne pour tenter de convaincre le cœur. Ça pourrait nous aider. J'aimerais bien, mais... Elle risque... de s'enfuir. Vraiment. Très bien. Au revoir. Zo, attends. Ce n'est pas que je... Je veux pas venir avec toi, c'est... C'est juste que... C'est ça que tu essayais de me dire ? Oui. Alors j'ai hâte de reprendre cette discussion. Oui, moi aussi. Tu es censé te reposer ? Varl. Va avec elle. Je m'en sortirai mieux toute seule. Tu tentes de m'écarter pour... Non. Pas cette fois. Je te rejoindrai à Mélopée quand je serai prête. Tu es sûre de toi ? Oui. Pars. Allez, va-t'en. D'accord. Zo, attends. Qui sont-ils ? Va mieux. All right. Bon, il y a un feu là-bas, un établi ici. Y a-t-il des commerces? Hey, hein? Varl, finalement, Varl, Chris, il y avait un crush sur Aloy. Finalement, lui, il a saisi une chance ailleurs, hein? Ah, j'y en veux pas. Au contraire, je suis bien content pour lui. Ça dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Wow, man. Oh, les longs coups. Je dois retrouver Varl et Zo à Mélopée. Wow. Demander au cœur si on peut entrer dans leur grotte sacrée. Oh, est-ce que c'est beau. À l'intérieur. Si je mets la main dessus, je pourrais relancer Gaïa. Et peut-être découvrir qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Mais d'abord, j'aimerais explorer un petit peu. Pour voir ce que je peux trouver dans la zone. Ben quoi, chum? Oh, cool. Mais j'en ai déjà une coupe, je pense. Oh, t'aurais pas des armures à la place? Pas quelqu'un qui vend des armures, non? Bon, tant pis. Ah, c'était cool.
Je vais voir si je peux pas améliorer quelque chose d'abord. Amélioration d'armes. Mon arc est au bout. Et où ma lance? Arc. Ça c'est déjà fait. Bon. Ah, je suis économisé. Bon, écoutez, nous on va cesser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Honnêtement, là, ce jeu-là, il est bien meilleur que le premier à date. Je trouve qu'il est beaucoup plus immersif. Il y a beaucoup plus d'histoires, les personnages et tout. Je sais pas, on dirait que c'est... Puis je trouve ça cool qu'on ait vu Rust. Parce qu'au tout début du jeu, elle parle d'Elisabeth, mais elle parle pas de Rust. Puis Rust est genre littéralement son père qui a soin d'elle toute sa vie. Et je trouve ça cool qu'on ait eu un petit clin d'œil avec Rust. Waouh, c'est que c'est magnifique, man. Waouh. Alright, bon, donc sur ce, à la prochaine. Ciao. C'est bon de te voir sur pied.